13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Et la première vidéo, Mighty Quest. Ouais bon. Donc les amis on se retrouve directement dans le lancement du jeu. Là on perd pas de temps, let's go, c'est parti. Dans cette vidéo il n'y aura pas de présentation. On va juste aller en arène, casser des culs, casser des boules, casser des... On va obtenir directement là, les 100 clés gratuites là. Chaque jour une récompense. Donc si tu peux pas jouer, tu te connectes le matin pendant que tu fais un petit caca, un petit pipi, bim, tu récupères ta récompense, tu vas en cours, tu vas où tu veux. Pour l'instant c'est les vacances donc t'as pas d'excuses. Et après tu fais ce que tu veux. Allez, c'est parti. Donc nous voici directement dans l'interface de Mighty Quest. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un très beau skin. J'ai un très très beau skin. Ok, ok. Épuisé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, j'avoue, j'ai un peu fait fumer la carte bleue, tu vois. On va ouvrir le coffre gratuit, bien sûr. Directement. Vous pouvez en ouvrir deux gratuitement par jour, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, quittez. Ok, je vais pas faire la présentation du jeu, il y a différents modes. L'aventure, c'est une aventure. Les épreuves, c'est des épreuves. Et il y a le mode arène. Et nous, on va directement dans le mode arène. Ok. Le seul défaut que je peux te dire, c'est qu'on peut faire que 3 parties en arène. C'est très peu, j'ai envie de te dire. Mais au moins, ça évite qu'il y en ait qui tryhardent de ouf. Mais le problème, c'est que tu peux pas tryhard. Et si tu peux jouer très rarement, et bah tu pourras jouer que 3 fois. Donc, c'est pas ouf. J'espère que ça, ils vont l'améliorer par la suite. Parce que faire que 3 parties à la fois, à chaque fois, c'est pas ouf. Allez, c'est parti. Moi j'ai que 64 TR, voilà. On va jouer contre un 1000 et un 900 et un 800, pourquoi pas. Donc, je vais vous donner quelques astuces bien sûr, en arène, vous allez voir. Tout d'abord, ça c'est moi, ça c'est 800, ok, 1000, ok, 900, ok, pourquoi pas. Donc tout d'abord, ne pas aller au contact, vous vous planquez, vous les laissez se taper. Oh merde, merde, oula, t'occupes pas de moi. Et là, tu te rajoutes, hop, tu casses des culs. Hop, 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 hop. Hop hop. Oula 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 oula. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est moi le roi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Olé. Ola. Olé. Ola. Olé. Ola. Ok. Hop. Et là tu te rajoutes dedans. Nunchaku. Bim bam boum. Allez hop. 2 kills. On va laisser se battre entre eux. Voilà. Et là tu te rajoutes. Et là tu tapes. Paf. Non, je l'ai pas eu. En fait, il faut les laisser se taper. Et après, tu te rajoutes au bon moment. Voilà, comme là. Bon, j'ai que 3 kills malheureusement. Je suis le deuxième. Ah, je suis le deuxième. Je suis le deuxième. Ça, c'est une stratégie qu'il faut faire. C'est ne pas foncer dans le tas. C'est... voilà. Bon, voilà. Et normalement, je suis le deuxième. Mais bon, c'est pas premier quoi. On va essayer d'être premier dans cette vidéo, on va essayer, ok. Allez, résultat, voilà. Suivant. On gagne pas beaucoup de TR. 10 TR, c'est pas énorme. Donc c'est à dire qu'il va falloir jouer souvent, 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 souvent pour tryhard, hein, parce que j'ai vu des mecs. Allez, c'est parti. Deuxième arène. Contre un 800, un 900 et encore un 1000. My bad. Par contre, c'est pas mes meilleurs pouvoirs, ceux-là. C'est des pouvoirs que j'ai mis, du coup, pour les épreuves, mais bon. Ok, ça, c'est moi. 898, 908. Ok, 1042, ok. Allez. On va les laisser se taper. Allez, on casse tout. On casse la baraque. J'ai fait un kill. J'en ai fait un seul. On va laisser se taper un peu. Allez, deuxième kill. C'est moi le roi. Ah, je suis mort, je suis mort, je suis mort. J'ai pris un poison. Allez, on va les faire courir. J'ai 15 secondes à tenir, ok. Allez, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. I'm a boss! Psyfight victory! Donc, comme voilà, c'est tout simple. En fait, faut attaquer lorsqu'ils sont en train de se mettre sur la tête. Et une fois que t'as les étoiles, tu fais tourner les manèges. Et voilà. Je viens de battre un mec qui a 1000 TR, un mec qui a 800 et un mec qui a 900. Non mais, no way, quoi. Ah là 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 là. Et on gagne 36 TR. Donc en fait, deuxième place 10, première 36. Voilà. Donc là, j'ai un total de 110 TR. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Est-ce que je peux faire mieux dans mes armures? Je ne pense pas, malheureusement. Je ne pense pas. Par contre, je peux peut-être améliorer. Allez, on va l'améliorer celui-là. Niveau 1, ça je m'en fous. Celui-là aussi. Je fais des combinés un peu chelous, mais je m'en fous. Alors, ça lui fait gagner de l'XP. Allez hop. On est meilleur. Good. Ok, bah je vais obtenir les missions quotidiennes, bien sûr. Ça, ça peut vous faire évoluer très rapidement. Allez, on retourne pour la dernière là. Il ne reste plus qu'une normalement. En haut à gauche là. 1 sur 3. Allez, c'est parti. Let's go. Donc, encore un 1000, encore un 1000. Oh là. Ah ok, allez. Ouais, ok. Allez, c'est parti, my bad. On va les laisser se taper. Allez, on va essayer d'avoir un kill. Non, j'ai pas essayé d'avoir de kill. Ah, je vais mourir. Putain, l'autre, il a chopé 3 kills. Hein. Il a chopé 3 kills, le mec. Hein. Putain, j'arrive pas à choper de kill. Hein. J'arrive très clairement pas. Ah si, j'en ai eu un. Ah, c'est pas ouf. Hein. Moi, je suis troisième. Ah non, mais putain. Je me suis fait conteste la place. Ok, je vais avoir le kill là. Je l'aurai, celui-là. Non, je l'ai pas eu, il me l'a piqué. Il m'a piqué le kill, mais non. Mais non, c'est pas possible. Allez, play try. Il fait un kill. Comme si t'avais pas assez de TR, toi. Pourtant, choisissez bien vos pouvoirs. Là, je suis allé en mode Walou, Walagan, avec des pouvoirs avec lesquels je travaille en épreuve et en histoire. Mais très clairement, c'est pas les pouvoirs qu'il faut prendre pour aller en arène. Hein. C'est moi qui te le dis. Et donc maintenant, si je veux faire une partie, eh ben je peux plus, je suis obligé de payer. Et ça, c'est un peu décevant. Il devrait pas mettre 3. Il devrait faire en sorte qu'on puisse en faire, allez, au moins une dizaine, je pense, tu vois. Au moins qu'il limite. Ça, je veux bien qu'il limite. Mais bon. Je pense qu'ils font ça parce que le jeu de but premier, c'est pas les arènes, c'est tout ce qui est aventure et épreuve. Allez, vous savez quoi? On va se faire une petite ouverture. Pack opening. Coffre rare ou coffre. Coffre épique. Je pense qu'on partira plus sur un coffre épique, j'ai envie de te dire. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go! D'habitude j'ai qu'une carte. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a 10 cartes. Ok, bon allez. C'est peut-être le jeu pour trouver la jumelle. Ok. Ok. 3 étoiles, c'est pas ouf. Ok. J'ai que des 3 étoiles. Hein. C'est moi ou j'ai un problème? Y'a rien dans la carte là. Ouh là 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 là. Ok. J'ai essayé un truc 3 étoiles ou ça se passe comment là? Ok. Ok. Il y a du skin sympa mais bon. Ok, le casque sympatoche mais que 3 étoiles. Ok.
Bon. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mighty Quest. Écoutez, moi, j'ai pris un petit plaisir de faire un peu de déglingage d'arène et de store avec vous, même si ça n'a pas trop été le cas pour le store et pour l'arène. On va dire un petit 50-60%, tu vois. Je vous ai montré une petite astuce de comment faire top 1. C'est un peu un battle royale en arène, on va te dire. C'est le dernier qui survit. Enfin, c'est celui qui a le plus de kills et qui survit, tu vois. Donc voilà, la technique de tu tournes autour, crois-moi, elle peut marcher. Le seul problème, c'est que tu peux faire que 3 parties, donc t'as que 3 chances pour faire un top 1. C'est pas ouf, mais bon, espérons qu'ils vont améliorer ça par la suite. Espérons qu'Ubisoft améliore. Mais je pense que oui, je pense qu'Ubisoft, grosse production, ils vont faire en sorte d'améliorer. Voilà, donc sur ce les amis, c'était Petit Rag. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je te dis ça, parce que là, actuellement, il est 11h57. Donc bon, voilà. Choose by Simmer, c'était PsyTrag. Bisous encore à tous et encore merci du soutien. Peace!